Et donc, salut à tous, c'est Clément1335, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de délire sur GTA V. Et aujourd'hui, je sais pas encore ce qu'on va faire, c'est ça le grand mystère de la vidéo de délire. C'est que le but, c'est juste de foutre le bordel et de s'amuser. Donc, aucune idée de ce qu'on va bien pouvoir faire. Déjà, voilà, ça c'est un bon début. Hop, et on va voir ce qu'on peut inventer comme connerie pour la suite. Bien entendu... comme je vous l'ai dit, je n'ai pas particulièrement de programme, mais je songe déjà à passer à la base militaire. On a déjà essayé la dernière fois qu'on a fait une vidéo délire. Ça s'est plus ou moins révélé fructueux. Plus moins que plus d'ailleurs, parce qu'au final, on n'a pas réussi à piquer ce que je voulais piquer. Autant l'hélico que le tank que l'avion, si j'ai bon souvenir. À chaque fois, on s'est fait descendre avant. Mais du coup, ça lance un défi d'y retourner ou pas, on verra bien. Mais pour l'instant, on va faire un petit jeu marrant sur la plage que j'ai inventé et qui consiste... Déjà, on va attendre que l'étoile de flic disparaisse parce que justement, on a besoin de ne pas avoir d'étoile pour pouvoir faire ce petit jeu pour tester notre dextérité. Est-ce que j'ai plié une roue ? Parce que j'ai l'impression que la voiture tire un peu à droite. On va voir ça sur un endroit où on roule droit. Oui, elle tire un peu à droite, mais c'est pas grave, on devrait pouvoir réussir quand même ce que je veux accomplir. Déjà, il faut être absolument sur la plage. Putain, qu'est-ce que... Ah, c'est bon, j'ai plus d'étoiles. Donc, il faut être absolument sur la plage. Le mieux c'est de nuit parce que c'est plus joli et qu'en plus il y a des feux sur la plage avec les mecs autour. Et le but c'est de faire un strike sans se choper d'étoiles de police. Et le but du coup c'est de sauter avant d'atterrir dans le groupe. Et là c'était un fail monumental parce que les flics vont arriver, c'est pas très très grave. Et du coup on peut enchaîner les strikes et tant qu'on réussit on gagne. Donc pour l'instant mon record c'est 8 ou 9 camps de touristes. Parce que après j'avais pratiquement plus de vie donc j'ai dû arrêter cette connerie. Et hop, un secouriste, tiens mon pote. Ah, il y a les flics qui arrivent. On va les accueillir comme il se doit. À coup de AK-47. Dégage connasse. Hop, merci d'avoir embouti la voiture. Le deuxième flic, tu m'as permis de vous shooter plus facilement. Hop, voilà. Et on va prendre celle qui est le moins endommagée. Et on va pouvoir se barrer d'ici. Vite fait, bien fait. En direction de la base. Parce que c'est le minimum syndical. Maintenant, de toute façon qu'on a les flics, autant en rajouter 2 étoiles de plus. On est plus à ça près. Hop. Voilà. Ouh. Heureusement que je maîtrise la situation. On va arrêter ça. Ça me saoule. Et le seul problème dans les voitures de flics, c'est qu'on n'a pas la radio. Mais ça, j'avais oublié. C'est un barrage. Et vous croyez barrer qui? Hop, on passe à côté, tranquille. Et là, mon petit jeu favori, c'est de shooter les barrières. C'est tellement dommage que je puisse pas jouer en ligne. Parce que ce jeu en ligne est juste énorme. Surtout avec les courses, etc. Et celles créées par la communauté, certaines sont excellentes. Je regarde des youtubeurs qui font beaucoup de vidéos sur du GTA Online. Et le jeu a l'air tout bonnement génialissime. Ah merde, la Hearse. Putain, juste après qu'on ait croisé une Infernus, c'est pas encore une autre. Là-bas, la rouge et blanche. Non, je voulais choper la Infernus, bordel. Ça aussi, c'en était une. On va passer par là. Histoire de choper une bagnole. Ou une camionnette. Peu importe. Hop. Allez, Michael, dépêche. Allez, roule, 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 roule. On se casse. Allez, vite. Hop, voilà. Et on va peut-être s'en sortir avec une vieille camionnette toute moisie. Bon, par contre, ils vont me rattraper plus facilement maintenant. Parce que j'ai une voiture moins rapide que tout à l'heure. Mais au moins, celle-ci a des roues.
Hop, voilà, tranquille, on passe au milieu de la circulation. Ouais, hop, ah, voilà, le problème c'est que c'est ses piques à la con. Bon, hop, on va faire autrement. Vu qu'elle elle est morte, elle dégage. Et son 4-4 devrait me permettre de m'en sortir assez facilement. Oh putain, la vitre arrière. C'est bon. Easy peasy. C'était juste un petit passage où le hop, je s'est fait exprès de faire le jump. Je comptais juste pas faire ça. Hop, on va passer de l'autre côté de la barrière. Comme ça, ces blaireaux vont pas me suivre. Ah, fallait qu'il y ait un pont, évidemment. Hop, heureusement qu'il y a l'endroit pour repasser à l'intérieur. Oh, mais c'est qu'il y a Bambi. Bambi. Allez, hop. Bambi, t'es mort. Bon, on continue. Nickel. Ma bagnole est pas trop pétée. Elle devrait survivre le choc. Enfin, tenir le coup, je crois qu'on dit. Ouais, c'est ça. Elle devrait tenir le coup jusqu'à la base, le temps de se choper un autre moyen de locomotion. Et le mieux pour dégommer les poteaux, c'est quand on a une voiture sportive décapotable. Parce qu'avec un peu de chance, on peut réussir à mettre les poteaux à l'intérieur de la voiture sur le siège passager. Et c'est carrément la classe. Et ça fait un petit peu comme si on joue au bilboquet. Il me semble que ça s'appelle comme ça. La boule accrochée à un bâton qu'on essaye de foutre dedans. Et ça fait un petit peu ce genre de conneries. Hop. C'est fait exprès. C'est pour ça que j'ai pris un 4-4. Ouais. Bon. Je vais... Oh, recule. Enfoiré. Vous m'aurez pas, bande de bâtards. Wouhou. Et voilà comment on s'en sort. Avec brio. Bah, avec brio et avec une roue bloquée aussi. Hop, on fonce. D'accord. Bah, comme ça, je me suis fait sniper dès que je suis entré dans le truc. Le seul problème en multi, c'est par rapport à cette base militaire, c'est que quand on crève à la base militaire en multi, et ben on repop juste à côté dans les marais. Et du coup, ça fout pas mal le bordel parce que l'entrée est carrément de l'autre côté. Mais là, comme on est en solo, je devrais repop à l'hôpital. Celui-là, c'est bien ce que je pensais. Et on va essayer de trouver une nouvelle caisse pour aller là-bas. En supposant qu'il y en ait une sur le parking, elles sont toutes dégueulasses. Hop, on va essayer de choper quelque chose de plus rapide. Si tant est qu'il y ait. Bon, on va prendre la poubelle verte. Tant pis. Toi là, tu fais quoi? Pourquoi tu marches vite? On dirait qu'elle passe un coup de fil, enfoiré. Hop, tu me balanceras pas au flic. Toi non plus, foiré. Bon, du coup, j'ai quand même une étoile, mais c'est pas très grave. Parce que je maîtrise très bien la situation. Hop. Et là. Bim, voilà. On prend le gilet pare-balles. Et on continue de faire le tour pour aller choper une bagnole de police. Dans laquelle on passera inaperçu. Ce qui n'est pas vrai du tout, mais qui au moins a le mérite de me le faire croire. Hop. Bon, évidemment, je sais plus conduire. Hop, ça se dégage. Et nous, on roule par là. Et ce qui est pratique, c'est qu'on a le gyrophare pour passer devant toutes les bagnoles. Allez, cassez-vous. Putain. Bon, par contre, les gens qui se poussent au dernier moment, ça fout le bordel. Ah, on va croiser les flics. On va passer par ici. Ah, ils m'ont... Wouhou, vous m'avez manqué, les gars. Hop. Et on continue en route. Bon, par contre, il y en a qui arrivent en face, donc ils vont tenter le sandwich. Mais on va y échapper. Parce qu'on est trop putain de fort. Hop. Oh là, ils sont là. Enfoiré. Ouh. Ce tonneau magnifique qui me permet d'en réchapper en un seul morceau. Et de bloquer la roue par la même occasion. Oh putain. Ok. 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 Oups. C'était ma dernière grenade.
De lance-grenade. Est-ce que j'ai des munitions dans le bazooka? Non. Bon bah on va y aller à la grenade classique. Hein. Il est où le viseur? Ok. Ah il est là. Hop. 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 On distribue ça comme des petits pains. Oups. Hop, heureusement qu'on a la visée précise. Oh wow 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 wow. Ok, je sais plus jouer. Plus du tout. Hop, ça on désactive. Et on prend la bagnole qui est toute neuve pour se barrer. Et on a déjà 4 étoiles, ce qui est ma foi un score pas mauvais du tout. Wouhou! Et ils veulent vraiment me shooter. Hein. Je suis même pas sûr qu'on arrive jusqu'à la base militaire. Wow, 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 wow. Ils m'ont crevé une roue, ces bâtards. C'est pour ça que je conduis aussi mal. J'essaye pas que de me chercher des excuses, mais c'est une des raisons pourquoi je conduis aussi mal. Ça, c'est fait exprès par contre, hein, je prends un raccourci. Hop, voilà. On plonge tout au bord pour pouvoir aller chercher un nouveau moyen de locomotion. Allez. Allez, Michael. Allez, roule. Roule, mon pote. Et voilà. Maintenant, il reste plus qu'à s'en sortir. Ce qui est, soit dit en passant, la partie la plus compliquée. Et par laquelle... Et pour laquelle je n'ai aucune idée. Oh, 4x4. On va éviter de prendre le 4x4. On est beaucoup plus mobile et difficile à viser en vélo. Même si du coup ça nous complique un peu la tâche. Wow, bordel. Wouhouhou. Ça aussi c'était fait exprès. Hop. Bon, ça par contre c'était pas fait exprès. Je pensais qu'il y avait suffisamment de fond pour que je puisse m'en sortir. Évidemment. Je me suis fait flinguer. Putain de bordel. C'est pas très très grave. On va s'arranger. Enfin, on va s'arranger. On va... Comment faire? On va y aller en hélico. Ça va être le plus simple. Et je vais avoir ce putain d'hydra de merde. Bon. Allez, Michael, plus vite. Ça prend 3 heures à repop. Hop, téléphone. Ta gueule. Hop, contact. Downtop Cap Company. Allez, downtown. Voilà, c'est bon, le chauffeur est en route. Hop, on va monter là. On va monter là. Et ça servait absolument à rien. Hop. Et on va faire le plongeon de la mort avec le face plant. Magnifique. Voilà. Il est enfin arrivé, cet enfoiré. Alors, où c'est que je veux que tu m'amènes? Non. 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 J'ai une idée. Il va nous amener au hangar. Voilà. Et comme ça, on pourra piquer un chamal et se larguer en parachute au-dessus de la base aérienne. Si jamais j'arrive à faire décoller le chamal. Parce que me connaissant, il y a quand même un petit doute. À moins que j'ai déjà réussi à ramener un hydra. C'est pas ici mon truc. Hein. Mon gars, il est tout au bout de l'aéroport. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Bon, c'est pas très très grave. Je peux y aller à pied. Hop. On va passer par ici. Ah, magnifique ça. Sésame, ouvre-toi. Nickel. On va prendre ça. En espérant que ça ne m'attire pas des étoiles de flic. Et on va aller soit jusqu'à mon hangar pour voir ce qu'il y a dedans. Ce qui, je présume, se résume vite fait par rien du tout. Soit on prend directement le chamal qui est ici. On prend directement le chamal qui est ici. Allez, debout. Debout, petit. Ah, il recule tout seul. Je pensais que c'était moi qui le contrôlais, que je pouvais le faire aller à droite ou à gauche. Mais non, même pas.
Hop, allez, on pique ce bel avion. Voilà. Et il faut que je me rappelle encore comment qu'on conduit. Déjà en évitant de se prendre quoi que ce soit tant qu'on est sur la piste. Ce qui me semble être plus ou moins compromis. Hop. Voilà. Ensuite, on fait hop. C'est rien du tout. Oh, mais c'est qu'il y a un chamal noir. Sauf que c'est pas un chamal noir, c'est un Luxor, je crois que ça s'appelle. Ça passe. Mais oui, ça passe. Easy peasy. Hop, et on se casse de là. On range les roues. Et direction la base militaire. En pleine nuit, ça va les surprendre en plus. Donc, ce sera nickel. Hop, on va éviter de trop faire le con tant qu'on risque quelque chose. Par contre, je peux tenter un looping. Ça se tente avec un chamal, franchement. Hop. En plus, je suis à bonne altitude. Hop. Allez, petit. Nickel. Sauf que j'ai un tout petit peu dévié vers la droite, mais c'est pas grave. Hop là. C'est parti. Conduite à l'envers. Non, non, non. Non. Ah, j'avais sauté. Bon. Maintenant, je sais que c'était pas une bonne idée. Enfin, de faire le con avec l'avion. De prendre l'avion, si, c'était une très très bonne idée. Mais maintenant, je sais que il va falloir reprendre l'avion pour aller à cette base militaire une bonne fois pour toutes, sans crever. Enfin, sans crever, c'est la théorie. Après, je ne peux pas m'assurer que ça marchera du premier coup. Bon. Pourquoi j'ai gagné 157 000 ? Ah oui, d'accord, parce qu'on a passé la nouvelle semaine. Hop. Connard ! Cassez-vous ! Hop. Putain, d'habitude, il y a des belles voitures dans cette ruelle. Oh, le bâtard, il m'a roulé dessus. Vous avez tous vu, hein. Sauf que sa bagnole est pourrie, je vais pas prendre cette poubelle. Putain, mais d'habitude, il y en a qui ont de belles bagnoles dans le coin. Bon, on va prendre ça. Ça reste encore le moins pire, je dirais. Tu dégages. Enfoiré. Hop. Et on va aller prendre ça. Voilà. Pour aller à ma destination. Voilà. Qui est exactement de l'autre côté. Hop. Et maintenant. Direction autoroute vers l'enfer et aussi rock radio. Merde, nickel. Hop, on est en plein sur la bonne autoroute. Par contre, il y a beaucoup de trafic, c'est l'heure de pointe. Et me connaissant, je vais réussir à slalomer un certain temps. Jusqu'à ce que je me prenne une bagnole en plein dans la face. Ah non, c'est Franklin qui conduit bien. Sans déconner. C'est pas possible. Pas sur un petit accident pourri comme ça. On dirait qu'il avait même pas mis sa ceinture, ce gland. Je refuse d'abandonner maintenant. C'est pas possible d'être aussi mauvais, sans déconner. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, en fait. Mais bon, j'aurais dû me réhabituer un petit peu avant de faire la vidéo. Ça aurait été un peu mieux. Bon, vu que c'est la nuit, on va peut-être pas aller jusqu'au camp de militaire. On va peut-être juste s'amuser à faire le jeu que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, on va prendre la... C'est laquelle ? Laissez-moi deviner. Non, je sais plus. Je dirais la Surano, mais je suis pas sûr. Non. C'était la Rapid GT.
Bien joué Clément, tu as lamentablement échoué. Hop. On attend que ça se range. Voilà le téléphone. Tu te tais. On finit de faire ce petit jeu et ensuite on verra. Oh là, une fermue, je m'en fous. Je ferai 100. Et par contre, il faut aller au sud. À la playa. Hop, on va dire que c'est par ici. Putain, c'est pas vrai. Je conduis comme une brêle. Hop. On va passer par là. Oups, la boîte aux lettres. Bon, j'ai réussi à m'en sortir. Hop, désolé madame. Putain, mais je connais plus la route de la plage, on dirait. Ou alors c'est que tout simplement je sais la bonne route, mais je la reconnais pas. Je saurais pas vraiment dire quelle solution est la bonne, mais ce que je sais, c'est que je vais plein sud. Donc logiquement, on devrait finir par tomber sur la mer. Ou l'aéroport, parce que la plage est un peu plus à l'est. Donc on va prendre par là. En espérant que ça nous mène à peu près au bon endroit. Mais déjà, on est à côté de l'héliport, donc on est plus ou moins sur la bonne voie. Hop. Donc voilà, voilà, voilà. Ok, on s'en rapproche. Bande d'enfoirés, vous êtes sur la route. Faut pas traverser comme ça sans prévenir. Toi aussi, t'es sur la route, là. Toi, je te laisse la vie sauve. Hop. Alors. Voilà, on va dire que c'est par là. Hop. Désolé, connasse. Voilà, en face, c'est à peu près la plage, je dirais. Et je crois que j'ai bloqué une roue de la bagnole. Elle tire effectivement un peu à gauche. Hop, on passe tranquille. Hop là. Et vous allez voir que la nuit, buter des hippies autour des feux de camp, c'est beaucoup plus marrant que le jour. Merde. Bah, je vais vous montrer de l'autre côté de la plage, on peut plus facilement les enchaîner. Hop. Nickel. Voilà, ça fallait faire gaffe. Faut aussi faire gaffe à ça. Mais la bagnole est vraiment bousillée. Donc c'est compliqué. Hop, voilà. Oh putain, il est flic. Oh, vous m'aurez jamais. Tu me rattraperas jamais, tu me rattraperas jamais. Shotgun. Tiens mon pote. Oh, c'est lui que je voulais buter. Il me faut de la vie là. Donc on se casse. Avec une bagnole pétée pour l'instant, mais on se casse. Ok. Pourquoi il y a un tracteur en plein milieu de la plage? Bon, là il y a un parking. Il me faut une bagnole rapide. Wow. C'était quoi ça? Hop, on va prendre celle-là. C'est normalement, c'est la même. Ouais, c'est la même. Allez, roule. C'est bon, j'ai pas pris trop de bastos. Et on va finalement finir par, pour le LOL, encore une tentative pour la base militaire. Mais c'est vraiment pas dit que ça fonctionne. Hop. Wow. Quel enfoiré. C'est bon, je maîtrise la situation. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas trop de flics sur la route. Et surtout qu'ils mettent pas de herse, ces bâtards. Parce que c'est à cause de ça tout à l'heure que j'ai pété. Ok. Encore un accident de la route, bien con. Bon, ben voilà. Le téléphone a sonné il y a 2-3 minutes, comme vous l'avez peut-être entendu. Donc c'est désormais la fin de cette vidéo délire sur GTA V.
Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un pouce vert pour me le faire savoir. Ça me ferait très très plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très très bonne continuation à tous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao! Now I know the only compass that I need, oh, is the one.